Bienvenue pour la seconde partie d'Ici l'Europe à la Martinique, dans les Antilles françaises, une île trois fois plus grande que n'était Malte, 1128 km², 470 000 habitants et un secteur agricole qui ne représente que 21% des surfaces cultivées, mais emploie tout de même 5,4% de la population dans une région abonnée au chômage deux fois plus important qu'en métropole. Alors, en tant que région ultra-périphérique, la Martinique perçoit de l'Union européenne des aides jusqu'à 500 millions d'euros par an, en particulier pour cette agriculture qui rencontre de grands handicaps. Elle est effectivement post-coloniale, basée essentiellement sur la canne à sucre et la banane, et surtout, elle a été polluée pendant des années au chlordécone, un pesticide extrêmement dangereux. Nous le verrons à travers nos reportages et avec nos invités. Et pour commencer, nous allons à la rencontre de Louis-Joseph Manscourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé de la Martinique, auparavant député national d'ailleurs. Vous êtes l'un des 9 représentants au Parlement de Strasbourg des fameuses RUP, les régions ultra-périphériques. Et vous nous avez emmené dans ce jardin extraordinaire de Balata, très significatif aussi. Hein. Oui. On ne vient pas en Martinique si on ne visite pas le jardin de Balata. C'est l'un des sites les plus fréquentés en Martinique, avec plus de 200 000 visiteurs par an, 3 000 variétés de plantes. Alors précisément, cette agriculture martiniquaise, quelles sont ses caractéristiques, hein? D'abord, ce sont des petites unités agricoles. Nous n'avons pas de l'agriculture extensive. Alors, ceci étant, nous n'oublions pas les grandes cultures traditionnelles comme la banane. Hein, qui occupe la canne à sucre, qui occupe quand même une grande partie de notre agriculture. Et qui sans autosuffisance. Sans autosuffisance. Il faut compter à peu près 30% de notre production couvre les besoins de notre pays, de nos territoires, notamment singulièrement de la Martinique. Alors parlons d'un sujet qui est très présent évidemment sur l'île, à savoir le chlordécone. C'est le nom de ce pesticide qui a été aspergé à travers toutes les Antilles françaises de 1972 à 1993. Et il a créé ici, malheureusement en Martinique, le triste record de cancer de la prostate. Ces résidus sont encore présents sur le sol, à la moitié des territoires et des rivières. Et aujourd'hui, nous faisons le point sur ce scandale sanitaire et environnemental avec ce reportage signé Edward Edwood. Avec 80 000 tonnes de ce fruit exporté chaque année, la banane est le moteur économique de la Martinique. Mais aujourd'hui, elle est accusée d'avoir empoisonné les terres. L'avocat martiniquais Louis Boutrin a été le premier à dénoncer cet empoisonnement. Dès 2007, il alerte sur l'utilisation de ce pesticide ultra toxique pour l'homme. L'eau desservie pendant des décennies était gorgée de chlordécone. L'alimentation était contaminée. 92% de la population actuellement contient du sort du chlordécone dans son sang. En 1976, des études américaines ont révélé la dangerosité du produit pour l'homme et son utilisation a été immédiatement interdite. Mais il faudra attendre 1993 pour qu'il soit supprimé des champs de bananes antillais. Se laisser faire aurait aujourd'hui de graves conséquences sur la population. Selon une étude de l'Institut national pour la santé, ces années d'exposition ont provoqué de nombreux cancers de la prostate. Ce type de cancer atteint même un taux record en Martinique. Avant, j'étais agriculteur à l'habitation Casapolo. Et mon cancer s'est manifesté à partir du taux de chlordécone que j'ai dans le sang. Comme François Vaillant, les principales victimes seraient les 10 000 ouvriers agricoles qui ont travaillé avec ce produit dans les bananeraies et sans aucune protection. Plusieurs associations de défense des agriculteurs ont déposé des plaintes contre X pour empoisonnement et mise en danger de la vie d'autrui. À l'heure actuelle, aucune de ces plaintes n'a abouti. J'étais pédiatre en maternité et là nous avons vu beaucoup de prématurés. Il y avait beaucoup de naissances prématurées. Pour le moment, le gouvernement n'assure pas la prise en charge des femmes enceintes contaminées au chlordécone. Pourtant, le pesticide a infiltré une grande partie des aliments des Martiniquais, dont les produits de la mer. Il n'existe pour le moment aucune méthode efficace pour se débarrasser du chlordécone. Malgré une terre contaminée, Abdoul Djiré continue à cultiver des fruits sur son exploitation.
Il fait partie d'une nouvelle expérimentation, le label Zéro Chlordécone, mis en place par le Parc Naturel Régional de Martinique. Le principe, cultiver des produits qui ne poussent qu'en hauteur, car le chlordécone ne remonte pas dans les arbres. Les plantes que je cultive n'ont pas de chlordécone, parce que ça a été attesté par des analyses qui ont été faites par 2-3 laboratoires différents. On peut se reprendre en mai. La visite d'Emmanuel Macron en septembre a redonné espoir aux agriculteurs. Pour la première fois, un président français a reconnu l'empoisonnement au chlordécone. Un rapport doit être rendu en 2019 pour comprendre l'ampleur de cette contamination. Si aucune solution viable n'est trouvée, la terre martiniquaise restera souillée par ce produit pendant plusieurs siècles. Énorme scandale, monsieur Manscourt. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour les malades, pour les agriculteurs, pour les terres, la moitié des terres polluées? En tout cas, je serais tenté de dire qu'on ne fait rien. Vous avez demandé à la Commission européenne d'harmoniser des normes maximales de résidus dans l'alimentation, précisément. Avec quelle réponse? Oui, alors nous avons, mon collègue Andrieu et moi-même, nous avons adressé un courrier à la Commission pour lui demander de faire en sorte qu'on puisse maintenir de manière très claire les limites maximum de résidus à 0,01. Et nous attendons bien sûr cette réponse parce que cela va avoir une harmonisation, non pas seulement au niveau de la Martinique, mais aussi de la Guadeloupe et au niveau des autres territoires aussi. Dans le cadre de la politique agricole commune qui va être renouvelée à partir de 2020, quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez aussi des inquiétudes? Le POSEI, c'est un programme spécifique à l'éloignement et à l'insularité en Outre-mer. C'est un instrument qui a été mis en place en 2006 pour bien montrer les caractéristiques particulières de notre agriculture. Et nous voulons, et nous sommes très inquiets, pourquoi? Parce que dans les négociations que nous avons eues en ce moment avec le Conseil, on observe qu'il y a une diminution de la PAC, de la politique agricole commune, et du POSEI de 5%. Eh bien, nous disons que le moment est venu de faire en sorte que nous puissions avoir les moyens de notre politique pour améliorer notre compétitivité, améliorer notre production. Le verdissement aussi fera partie des objectifs de cette nouvelle PAC encore plus. Oui, et l'avenir, je suis désolé de le dire, est dans le bio. Alors, pour développer le bio, il faut que l'Union européenne nous aide, parce que nous sommes dans un environnement défavorable. Tous les pays qui nous entourent ne sont pas européens, ne respectent pas les normes sociales, les normes environnementales, et la Commission est exigeante avec nos producteurs. Alors qu'on accepte ces produits-là, les produits qui viennent de ces pays, du Pérou, à l'importation. Merci, monsieur Manscourt, de cet entretien. Vous avez touché le point faible de cette Martinique, l'agriculture biologique, qui représente à peine 1% de sa production. C'est vrai que l'agriculture biologique, pour les bananes ou encore pour le maraîchage, rencontre un certain nombre de problèmes, problèmes de normes, problèmes également de changement climatique, comme nous le montre ce reportage signé de notre envoyé spécial en Martinique, Johan Baudin. Trenel, un quartier informel sur les hauteurs de Fort-de-France. Ici, il y a bien des années, poussés par l'exode rural, les anciens coupeurs de canne s'y sont installés. Leur petit-fils retrouve aujourd'hui le lien à la terre. C'est l'œuvre de Théo et de ses amis. Ils ont réhabilité une ancienne décharge en jardin partagé. Une des envies, c'était étonner la population de la Martinique. Et dire, écoutez, si on prend une carrière et qu'on fait un jardin, c'est parce que c'est tout est possible dans la vie avec un peu de discipline et la volonté. 1000 mètres carrés de potager pour fournir des paniers aux plus défavorisés et 8 volontaires en service civique qui entretiennent un projet pédagogique sans pesticides ni engrais. Ici, on travaille différentes techniques agricoles. Donc on s'inspire du jardin créole. Dans tous les cas, il y a des choses qui sont en train de s'oublier. Par exemple, ça, on ne l'a pas planté, hein. C'est spontané. Et c'est un épinard, en fait. En quelques années, plus de 1000 hectares de petites exploitations de type jardin créole ont été remis en culture en Martinique. La quête des variétés anciennes et l'espoir dans la nouvelle génération, c'est aussi le credo de Léon. Respect. 18 ans. Respect. Aujourd'hui, c'est 60% de jeunes au chômage. Dylan, 18 ans, vient de le montrer. Et aujourd'hui, Dylan est son propre patron. Et il est à l'école. Il fait les deux. On ne va pas sauver la planète, ce n'est pas vrai.
ne faut pas arriver. Mais si on sauve 10 jeunes, ces 10 jeunes vont parler à d'autres 10 jeunes. Et c'est ce qu'on veut. Léon est le pionnier de l'agriculture biologique sur l'île. Il travaille 7 hectares en maraîchage au pied de la montagne Pelée, une des rares zones où le chlordécone n'a pas été utilisé. À un moment donné, on a voulu passer par des cultures intensives et de la monoculture. On a détruit, je dirais, notre sol. Mais aujourd'hui, la Martinique peut devenir une terre totalement bio et la bio peut nourrir une famille martiniquaise. L'agriculture certifiée biologique regroupe une soixantaine d'agriculteurs, mais ne couvre que 300 hectares. Une part infime des surfaces cultivées, mais une réelle dynamique s'est installée en Martinique. Toutes les règles qui sont applicables en Europe ne sont pas forcément applicables telles quelles ici. Il est vrai par contre qu'il y a un certain nombre de méthodes bio, de pratiques quand même, qui sont respectueuses de l'environnement, qui se mettent en place sans que les agriculteurs aillent forcément jusqu'à la certification. Sous les tropiques, le bio rencontre de multiples obstacles. Ici, 17 chercheurs travaillent à des solutions locales et écologiques. Ce docteur en entomologie s'intéresse aux phéromones du thym et du basilic. Alors, en milieu tropical, il y a une très grande biodiversité. Donc souvent, c'est vrai qu'on pense parasites, ravageurs. Mais il y a aussi justement beaucoup d'auxiliaires, beaucoup de prédateurs, beaucoup de parasitoïdes. Donc le but aussi est de pouvoir justement favoriser la lutte biologique naturelle. Michel Larougerie a relevé le défi de faire du bio avec la culture qui a le plus souffert des pesticides, la banane. Il possède une quarantaine d'hectares, la plupart certifiés. C'est le seul de toutes les Antilles. Son secret tient en une mixture qu'il garde jalousement. Nous avons 65 000 litres. Et régulièrement, on réensemence nos sols avec cet engrais, et ces bactéries, ces champignons. Chaque produit que nous avons fait ici a été certifié bio. Après plus de 10 ans d'efforts et grâce aux aides de l'UE, ces bananes bio gagnent des parts de marché et ont trouvé leur place sur les étals de métropole. Nous avons le plaisir d'être avec Miguel Laventure. Vous êtes conseiller exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Vous connaissez bien ces fonds européens. On vient de voir que le bio, c'est un enjeu aussi pour la Martinique, mais avec une production très basse, moins de 2%. Pourquoi ? Disons franchement qu'aujourd'hui, en milieu tropical, la pratique du bio est bien moins maîtrisée qu'elle l'est déjà dans les milieux tempérés. Et c'est vrai qu'il y a des efforts à faire pour mieux connaître. Mais il y a aussi des efforts à faire pour plus inciter ceux qui sont aujourd'hui dans cette dynamique-là d'y aller franchement. On dit que la Martinique a beaucoup de mal à consommer tous les fonds qui lui seraient proposés par l'Union européenne. D'abord, ils ont été attribués beaucoup plus tard qu'en métropole. Et par conséquent, c'est un élément qui retarde. Deuxièmement, les outils pour mettre en œuvre, y compris de traitement administratif ou informatique, ont été décalés. Au moment où je parle, nous avons encore des éléments qui font défaut, même si on a beaucoup progressé au cours de l'année 2018. Et puis, les dossiers eux-mêmes sont souvent, je dirais, un petit peu dans la même inspiration avec, on va dire, les grandes cultures d'exportation. Et c'est vrai que nous aimerions avoir en plus un certain nombre d'éléments qui permettent de rééquilibrer on va dire avec les fonds européens, les orientations de l'agriculture, pour avoir une agriculture plus, je dirais, pour l'alimentation, nourrir les populations, alors locales bien entendu, mais aussi toujours dans l'exportation, mais dans la diversité. Il n'y a pas une question de paperasserie aussi, de difficulté peut-être pour des petits exploitants de remplir et d'être aux normes européennes? Il faut qu'on réfléchisse en se disant que celui qui doit en bénéficier n'est pas nécessairement un expert, ni de l'informatique, ni de la paperasserie. Et on nous dit, on a eu récemment un séminaire RUP à la Martinique, on nous dit que cette fois est la bonne et que par conséquent, il y a quelque chose de plus sympa, plus simple, qui arrive bientôt. Merci à vous de cet entretien. Pour terminer, nous allons à la rencontre d'Abdoul Djiré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes exploitant à Ducos. Mmh. Ici, c'est à la fois votre ferme, la vente directe, parce que vous revenez de loin, hein, du chlordécone, bien sûr, comme beaucoup ici. Oui. En fait, j'ai cette exploitation depuis 2005. Et c'était une exploitation bananière, une grosse exploitation bananière. Et donc, ils ont utilisé à l'époque du chlordécone. Aussi, donc, je me suis engagé dans le fameux label que vous connaissez, qui s'appelle le label Zéro Chlordécone.
et qui aujourd'hui nous protège et donne plus de sérénité à l'acheteur pour acheter mes fruits. Et alors, vous êtes aidé là par des fonds européens, on le voit, vous l'affichez d'ailleurs, oui. FEADER. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a mes deux filles qui sont allées me rejoindre dans cette aventure et qui ont dit, mais papa, il y a des fonds européens pour ça. Et donc, du coup, on fait la démarche et j'avoue que, bon, cela met, je dirais, un peu de sel dans ma nourriture, en quelque sorte. Et sans ça, bon, je pense que j'aurais traîné probablement dans le temps. Et aujourd'hui, les fonds européens sont là pour me soutenir, notamment dans l'acquisition, je veux dire, des moyens techniques tels que les tracteurs, tels qu'éventuellement une camionnette, et aussi certaines infrastructures, notamment les chemins sont très abîmés. Et ce n'est pas évident sur une vingtaine d'hectares d'aller chercher la marchandise sans l'abîmer si les chemins sont mauvais. Merci, Monsieur Diré, de ce tour d'horizon de votre plantation. Nous voilà arrivés à la fin de notre voyage à travers l'agriculture insulaire. Merci à nos téléspectateurs des îles et d'ailleurs de nous avoir accompagnés. À très bientôt pour de nouvelles aventures européennes. Je suis Alix Le Bourdon, votre correspondante à Bruxelles. À l'approche des élections européennes, je vous aide à comprendre et à décrypter cette actualité depuis le cœur des institutions. Je vous donne rendez-vous dans tous les journaux de France 24 et dans Paris Direct. Alix Le Bourdon, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde.